Soyez tous et toutes les bienvenus sur Space News. Dans l'épisode 4 de la série sur le bien-être, la vidéo numéro 72, intitulée « Le gigantesque cosmopore de thérapie spatiale », nous avons accompagné Zen, mon principal contact extraterrestre, jusqu'à son vaisseau individuel garé sur le cosmopore. Puis nous l'avons suivi pour accompagner l'un des vaisseaux mères de sa faction qui partait pour faire une patrouille de reconnaissance en haute orbite terrestre. Il est sorti du hangar situé dans le cosmoport, s'est dirigé vers la Lune qu'il a dépassée, puis il a décroché, a passé un certain temps au-dessus du Pacifique et il a ensuite rejoint le cosmoport andromédien nommé Viera. Vous avez donc été les témoins du quotidien d'un pilote extraterrestre, de ses mouvements, la manière dont il s'habille, ce qu'il fait, et vous avez en quelque sorte fait partie du quotidien des factions extraterrestres déployées autour de la Terre et surtout derrière la Lune qui les cache très bien. Le cosmoport vous a été présenté, les hangars à l'intérieur et la zone d'atterrissage médiane. La manière dont on y accède est par les airs, depuis un vaisseau que l'on fait entrer à l'intérieur du cosmoport, sur tout le pourtour, là où chaque race extraterrestre y a un ou plusieurs hangars pour garer les vaisseaux plus petits qui ont besoin de protection. Puis Zen est revenu. Il est entré dans le hangar en traversant les champs de forces invisibles qui lui servent de porte. En suivant les lumières au sol, il a passé les commandes à l'intelligence artificielle à bord qui a fait léviter le vaisseau à 4 mètres au-dessus du sol, puis l'a tourné sur lui-même pour le mettre face au vide et l'a fait se garer. Puis, après avoir laissé son casque et ses gants sur son siège, Zen a baissé le pont avant du vaisseau et il est descendu. Il se dirige alors vers l'arrière du hangar où se situe une porte d'accès à l'intérieur du cosmoport. Je suis Tim de Space News. Nous ouvrons aujourd'hui le 6e volet de la série consacrée au bien-être, la santé, la beauté et le bonheur chez les extraterrestres. Cette vidéo est intitulée « Zen, ses petits et grands mots » et son ami tout fracassé. Je vais aujourd'hui finir de vous présenter cette incroyable et magnifique mécanique céleste andromédienne qui est cachée derrière la Lune en utilisant comme source, bien sûr, les conversations que j'ai eues avec Zen, ainsi qu'une partie de mon livre artificiel au chapitre 3, intitulé « Les biosphères artificielles non terrestres ». Pour rappel, Viera est un gigantesque cosmopore qui appartient aux Andromédiens Zenetae, qui fait 811 km de long, sur 300 km de large et 50 km de hauteur, le tiers de la France. C'est un lieu où d'innombrables races extraterrestres se posent en vaisseau et habitent pendant un certain temps. Il y a un peu plus de 4 millions d'Andromédiens sur celui-ci, mais les Andromédiens ont 12 cosmoports comme celui-ci, 9 sphériques et 3 triangulaires, qui peuvent accueillir 8 millions d'Andromédiens à bord et autant de millions d'extraterrestres d'autres races. À l'intérieur des hangars, les murs sont blancs et comme on peut s'y attendre, il y a de nombreuses pièces détachées, des équipements, des petites grues jaunes et des coffres à outils un peu partout. Le sol et le plafond sont gris, anthracite, avec des démarcations jaunes sur le sol et des gaines de ventilation au plafond. Les hangars font 2 à 4 km de long et les personnels y évoluent grâce à de petits véhicules jaunes ou blancs. Il y a toujours beaucoup de monde dans les hangars, les pilotes eux-mêmes ou les techniciens qui s'occupent des vaisseaux. Dans cette zone de la biosphère, ils ressemblent à des terriens. Même apparence physique, même multiples couleurs de peau, même nombre de doigts et d'orteils. Mais ce n'est pas le cas pour d'autres zones du cosmoport où les races peuvent être reptiliennes, insectoïdes, ovipares ou exomorphes et totalement inconnues sur Terre. La population andromédienne est de plus de 100 millions de personnes réparties par biosphère entre 4 et 8 millions. Les populations de chaque biosphère ont un état d'esprit, une philosophie, une moralité ou des intérêts légèrement différents, et leurs objectifs et programmes peuvent diverger. Chaque biosphère pourrait être considérée comme une planète et les populations sont nommées d'après le nom de leur biosphère. Par exemple, les Andromédiens Vieranais. Viera est un cosmopore, une biosphère artificielle, tout comme la Lune, qui leur appartient également, qu'ils utilisent à la fois comme habitat, mais aussi comme station spatiale cosmonautique et multirace. Elle accueille, derrière la Lune, plusieurs millions de personnes, 4 millions d'andromédiens et des centaines de milliers d'individus, d'autres espèces invitées, comme les Zen et les autres pilotes, dont les vaisseaux furtifs de combat sont hébergés dans les hangars. Il est difficile de décrire un vaisseau aussi massif et aussi impressionnant, et aucune poésie ne pourra jamais honorer sa magnificence. Il faut l'avoir vu pour pouvoir le faire. Le cosmoport est divisé en plusieurs ponts distincts. Zen passa la porte et se retrouva sur le pont rural, mais il y avait aussi en dessous et au-dessus le pont maritime et le pont atmosphérique. À l'arrière des hangars se trouvent des accès piétons directs vers l'intérieur de la biosphère. Il suivit un couloir qui traverse une salle aux parois de verre, protégeant des clémentiniers. Il entra alors dans la biosphère depuis une terrasse en bois entourée d'un parapet. Elle est desservie par des passages en bois naturels sertis de gravillons blancs. Au-delà, il n'y a que des sentiers pédestres qui mènent à 2 lacs. Un petit lac d'abord entouré de collines, de forêts de séquoias géants ou d'arbres au feuillage orange, vert, jaune et bleu, et des nuées d'oiseaux inconnus des terriens. Et 250 km plus loin, un lac beaucoup plus étendu de plusieurs kilomètres de profondeur que l'on rejoint en utilisant les petits vaisseaux de transport discoïdaux ou de forme elliptique ou d'œuf plat, qui passent d'ailleurs silencieusement alors que l'on se promène sur les berges du lac. Une partie des terres est réservée à la culture des légumes et des arbres fruitiers. Les systèmes de culture et d'élevage de poissons sont des circuits fermés qui unissent culture végétale et élevage des poissons qui communiquent entre eux en utilisant les techniques d'aquaponie et d'hydroponie. Ce système est par ailleurs souvent employé à bord de vaisseaux plus petits pour diversifier la nourriture et avoir des légumes frais. Accrochés sur les berges et surplombant l'eau, il y a de petits kiosques ronds en marbre avec des colonnes et un banc circulaire couvert de coussins en soie brodée à la main pour se reposer ou méditer. Beaucoup de personnes pratiquent la méditation, y compris les capitaines au plus haut niveau. Des animaux inconnus sur Terre, mais aussi des paons blancs, beaucoup de chats domestiques et de petits écureuils pygmées courent partout, à peine effrayés, parce qu'ils ne se sentent jamais menacés par des populations non violentes. Puis il y a le pont maritime avec une mer et des vagues, des plages de sable fin, des dauphins, des coraux et toutes sortes de poissons. Il y a donc bien entendu de grosses quantités d'eau à l'intérieur, tant en réserve pour la consommation quotidienne que pour les lacs et la mer. Et enfin, il y a le troisième pont atmosphérique et météorologique tout en haut du cosmoport. On accède aux étages supérieurs en empruntant des ascenseurs. C'est immense et on monte sur des kilomètres, ce qui permet d'avoir une vue aérienne de l'intérieur de la biosphère. On a une vue d'ensemble et l'impression de se trouver dans un pays avec des lacs, la nature sauvage, les forêts et les montagnes à perte de vue. Avant d'arriver sous le plafond en nid d'abeille du cosmoport, on traverse une couche de nuages artificiels en vapeur d'eau. Cachés par ces derniers, se trouvent des équipements énormes qui reproduisent les conditions naturelles, atmosphériques et météorologiques. Chaque pont a des saisons, des périodes quelquefois assez froides et chaude, de la pluie artificielle, et reçoit une lumière solaire artificielle. Au-dessus des machines, il y a le centre de commande et un observatoire spatial à ciel ouvert, c'est-à-dire qu'il est complètement ouvert sur le cosmos. C'est un lieu très vaste avec beaucoup d'espace libre. Il y a une moquette au sol, des canapés de différentes tailles un peu partout, parce que toutes les espèces non terrestres n'ont pas la même taille ni la même morphologie, des chaises et des tables, et des personnes de nombreuses espèces qui se reposent, socialisent, parlent et s'amusent. Mais la chose la plus intéressante dans cette pièce et qu'elle n'a pas de plafond ni de toit. Elle est protégée par une série de champs de force transparents, comme celle à l'entrée des hangars qui donne sur le vide. Lorsque l'on regarde les milliers d'étoiles, leurs couleurs individuelles sont apparentes et l'espace paraît très profond. Complètement admiratif, Zen quitta cet endroit idyllique à regret, car il venait de recevoir un message télépathique l'informant que son ami Xeni, lui aussi pilote, venait d'avoir un accident. Il s'était écrasé dans le désert de Gobi sur Terre. Quelque temps après, le mardi 23 mai 2017, dans la soirée à 18h02 et 15 secondes, j'entrais en communication écrite avec Zen. Voici des extraits de ce qu'il me dit ce jour-là. La voix n'est pas celle de Zen, c'est la mienne que j'ai rendue masculine avec mon logiciel de son, mais j'ai essayé de m'approcher le plus possible de la tonalité de celle de Zen. Lorsque vous l'entendrez, si je vous la fais écouter un jour, si je vous fais écouter les enregistrements en ma possession, vous verrez que la voix de Zen est grave, posée, aimante et respectueuse. Voici donc les extraits de cette conversation originale en anglais entre Zen et moi, Kos et mon avatar. J'ai oblitéré ce qui ne peut pour l'instant être rendu public. Je vous le lis en français en suivant les paragraphes. Bonjour très cher, vous sentez-vous libre aujourd'hui? Je vais bien. Comment allez-vous aujourd'hui? Très bien aussi, merci. Zen m'envoie alors une vidéo de musique douce qui accompagnera toute notre conversation et il commente « C'est bon pour la méditation. J'adore en cet instant et juste pour le moment. » Donnez-moi le titre s'il vous plaît car en recherchant la vidéo, j'ai toute une liste. Merci. De rien. Xeni HG2, rapport d'évaluation d'accident. Xeni avec son vaisseau HG2 faisait la course avec Kila et son vaisseau DG1, juste pour le plaisir de faire de la compétition. Le DG1, celui de Kila, a un algorithme pour s'extraire d'un piquet et prendre de l'altitude juste avant de s'écraser sur le sol. Le HG2, celui de Xeni, utilisait exactement le même algorithme mathématique de manœuvre. Après tout, les deux vaisseaux sont de la même classe, n'est-ce pas? Ce qui fonctionne pour l'un doit normalement fonctionner pour l'autre, n'est-ce pas? Peut-être. Tout dépend des données et de l'intelligence artificielle liée au cerveau du pilote ou à l'ADN du pilote. Conclusion de l'évaluation de l'accident. Xeni a oublié de prendre en compte que le DG1, le vaisseau de Kila, est un vaisseau de chasse léger, dédié, et que le HG2, son vaisseau, est une version d'assaut et d'attaque, et donc plus lourd que celui de Kila. Le ventre du vaisseau de Xeni, HG2, l'a tiré vers le sol, alors que l'agilité et la rapidité du vaisseau DG1 de Kila a immédiatement pris de l'altitude juste à temps. Conclusion, il s'agit d'une erreur du pilote. Donc, c'est une question de données et l'intelligence du pilote, sa manière de penser. Mais pourquoi l'intelligence artificielle de HG2 n'a-t-elle pas prévu le résultat final? Xeni a désactivé l'intelligence artificielle pour éprouver la sensation de piloter à la main et montrer probablement qu'il pouvait descendre en piqué et faire remonter son vaisseau lui-même. Ce n'est pas amusant quand dans des moments aussi exaltants, l'intelligence artificielle prend le contrôle des commandes et pilote à votre place. Donc vos vaisseaux ont besoin d'un système qui contrôle les erreurs des pilotes, car un système de contrôle qui ne fait que contrôler un vol n'a pas la main mise sur les actions du pilote, et ce système permettrait d'intervenir dans des situations comme celle-ci pour compenser les erreurs du pilote. Kila avait entraîné l'intelligence artificielle de son vaisseau pour qu'elle travaille de pair avec lui dans des situations de combat air-air. Mais Xeni ne l'avait pas fait, car son vaisseau est fait pour attaquer, et c'est tout. Il ne s'engage jamais dans des combats de vaisseau à vaisseau. C'est la faute de Xeni de toute façon. Oui et non, parce qu'il a utilisé un vaisseau militaire pour son propre plaisir. Et ces deux-là ne devraient pas jouer les durs comme ça. Correct. Et non, avec des vaisseaux militaires engageant la sécurité de l'ensemble des équipages. Maintenant, vous avez un vaisseau de moins dans votre flotte, et puis vos vaisseaux doivent être technologiquement plus avancés. Xeni n'a pas de toute façon à se comparer et faire la démonstration de sa capacité de pilote à un autre pilote qui est un as du pilotage, dont les capacités sont reconnues et qui est formé. Pourquoi pas? Mais il devrait le faire dans d'autres circonstances et avec d'autres outils. Ceci est une opération militaire, pas un jardin d'enfants, ni une arène pour s'amuser. Rapport de dégâts. Xeni, mâchoire cassée, dents de devant cassées, os du crâne frontal fracturé, vertèbres T1 à 6 dans le cou, 3 côtes cassées, les 2 poignets cassés. On l'a mis dans une capsule holographique où il est en ce moment. Il va mettre au moins 3 mois pour se recomposer. Cette technologie des capsules holographiques est la même technologie que j'ai présentée dans plusieurs vidéos, notamment la numéro 13, parue en 2021, et la 72, parue en 2022, ainsi que dans mon livre Premiers Contacts, article 56.4. Et ça fait un pilote de moins. S'il y a une attaque, vous êtes plus vulnérable. Qu'en est-il de T, un vaisseau mère? Encore un de vos vaisseaux en panne. Combien de vaisseaux sont en panne et ou inutilisables en ce moment, s'il vous plaît? Il y a A, le vaisseau de TIM, HG2, le vaisseau de Xeni, et T, le vaisseau mère. 3 vaisseaux qui sont hors service. HG2, constat d'avarie, canon à plasma détruit, cockpit détruit et hors d'usage, grave fracture de la coque à l'avant. Waouh! Très joli bol chantant dans cette vidéo, merci. Le son est meilleur avec un casque et pour la méditation, je l'ai utilisé la dernière fois, je suis allé très profondément en moi. Je suis en train d'écouter avec mes écouteurs professionnels. J'aime aussi les oiseaux. Puis nous prenons quelques minutes pour écouter la musique ensemble et échanger nos sentiments et perceptions. À 18h27 et 26 secondes, Zen me dit « Très cher, communiqué en temps officiel. » Du nom d'un pays. Entretien des satellites vendredi. Le samedi, ils seront éteints pour maintenance, nous laissant sans communication pendant de nombreuses heures, de 16h à 4h du matin le lendemain. J'adore méditer dans un tel environnement. Ok, vendredi, n'est-ce pas? Oui. Donc nous, avec Ra, pouvons parler en premier lieu à 14h30. Et nous seuls, du jeudi 8h au dimanche 18h? Je vais profiter de ce temps mort pour réparer tes vaisseaux mères. Le refroidissement est toujours un problème sur les vaisseaux. Contrairement à ce qu'on dit sur Terre, l'espace n'est pas froid du tout. C'est un vide. Chauffer un vaisseau, ce n'est pas un problème. Mais le refroidir, si. Car on ne peut pas faire rayonner la chaleur, on ne peut que la transformer en électricité. Et c'est ainsi que fonctionne le système de refroidissement. Jeudi 18h. Et ce peut être sans Ra à 14h30. C'est vous qui choisissez. Il n'y a pas de problème pour 18h. Et pour dimanche? Il n'y aura aucun problème. L'audio fonctionnera. Petite note. Ra est l'amiral Rachel de Temer qui a rencontré le président américain Dwight Eisenhower. Les 18 et dans la nuit du 20 au 21 février 1954, d'Edwards Air Force aux USA, vous pouvez retrouver tout le détail et les réactions de Rachel et du président Eisenhower dans mon livre Premier Contact, où vous trouverez la liste des traités passés avec des gouvernements terrestres, ainsi que le détail de ces rencontres entre président terrien et amiral femme extraterrestre. C'était vraiment épique. Et vous pouvez voir aussi dans cette conversation la preuve que j'étais bien en communication audio avec Zen tous les dimanches et que j'entendais sa voix et lui la mienne. Cette conversation s'est terminée à 20h31 et 39 secondes. Donc une conversation qui a duré 2h29 et 24 secondes, soit approximativement 2h30. Comme des milliers d'autres que j'ai eues avec Zen et une trentaine d'autres extraterrestres de différentes factions pendant plus de 7 ans, tous les jours. Et comme vous le voyez, j'ai enregistré toutes mes conversations avec leur accord. Ok, au revoir très cher, on se reparle demain. Bisous, au revoir. Au revoir, bisous. Au revoir, bisous. Je vous retrouve très bientôt pour la nouvelle série intitulée « Spiritualité extraterrestre ». Avant de clore cette présentation, permettez-moi de vous présenter les 3 directs du mois de septembre qui auront lieu à 17 h les dimanches 11 en libre accès et les 18 et 25 pour les sponsors. Il y aura également à votre disposition 11 cours de méditation que je donnerai tous les mercredis à 20 h entre le 21 septembre et le 30 novembre. Ces cours ont lieu sur inscription dans ma nouvelle boutique timspacenews.boutique. En attendant, portez-vous bien, méditez et soyez heureux. Je suis Tim, l'un des porte-drapeaux d'une communauté planétaire. Je vous remercie et je vous salue respectueusement de cœur à cœur.